For Central Africa's economies to be competitive and develop sustainably, they absolutely need to be diversified. The 2020 session of our Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts is dedicated to the theme Building Skills and Competencies for Economic Diversification in Central Africa. Skills and competencies are key for us to be able to go up in the value chain. Certainly, this is a vexed problem, in some cases bordering a wicked one. Let me explain. Central Africa's competitiveness profile and scoring in most of the indexes, including the World Economic Forum Global Competitiveness Index, is very low. Our total factor productivity is equally low. The sector composition of our exports is basically centered on raw materials. And this, of course, locks us into the lower end of the global value chains. We want to break this cycle. Lessons we can draw from experience from elsewhere are mostly related to the role of planning, skills development in fostering industrialization. And here we can learn a lot from the South African experience, where the country has been able to put in place an information system which can timely give the situation about the supply and demand of competencies. This link between the industry and learning institutions, where not only students are learning from classrooms, but can have some lessons within the industry, where they are exposed to more advanced technologies and they can understand better the needs of the industry. Here we can learn from Scandinavian countries and some European countries. Lorsqu'il faut élaborer les référentiels de formation, que vous le savez, très coûteux, une des contraintes majeures, c'est que l'élaboration des référentiels de formation amène, n'est-ce pas, les méthodologues à aller au sein des entreprises. Donc une des difficultés, c'est l'acceptation des entreprises à participer à ce processus, qui parfois amène à observer le travailleur dans le cadre, dans l'exercice de son métier, pour que cela soit transféré à un programme de formation qui va à son tour conduire à développer les compétences dans ce secteur productif. Par le fait que nous avons un déficit de compétences dans les différents secteurs, qu'il s'agisse du domaine de la formation ou de la recherche, nous essayons de nous mettre en synergie à travers des consortiums entre universités au niveau national ou avec nos partenaires étrangers. Mais nous essayons également, dans les nouvelles offres de formation, impliquer les partenaires privés pour que les futurs diplômés sortent avec des compétences et non simplement des diplômes, pour que quand ils viennent en entreprise, que les formations que nous leur aurons données puissent répondre à un vrai appel, à une vraie demande au niveau des industries. Para lograr la diversificación económica, dependemos de un factor, las personas. Las personas son la piedra angular y el eje de todo plan de desarrollo. En este sentido, el gobierno ecuatorial ha tomado varias iniciativas, como la suscripción de un convenio con la plataforma Coursera, que ofrece formación online, formación no reñida con el tiempo ni con el espacio, gracias a las nuevas tecnologías. Estamos en la cuarta revolución industrial y tenemos la obligación de dar el salto hacia adelante. Y el salto hacia adelante se da con las personas, personas formadas. And this is the reason why we will be focusing on skills and competences during the 36th session of the Intergovernmental Committee of Senior Officials and Experts of Central Africa, the ICE.